23 et 24 décembre, qu'est-ce qui lui arrive au Père Noël? Il a un renne qui est malade et donc ça va un petit peu perturber la distribution des cadeaux. Bien sûr. Vous avez regardé le spectacle? Ça fait plaisir, merci. Donc oui, le chef renne du Père Noël, qui s'appelle Robichaud, a attrapé une maladie qui a un nom atroce. Une grippe angino-gastrachéito bronchito rhume rubéole. Une grippe en quoi? Une grippe en truc. Grâce aux médecins vétérinaires des lutins, des animaux. Elle est aussi vétérinaire. Oui, bah oui, bien sûr. Eh bien... Betty Bédadine, donc. Voilà, docteur du Noël. Ils ont trouvé une solution, et cette solution va les amener à partir en ville et vivre des aventures assez extraordinaires. Voilà. Mais nous n'en dirons pas plus. Non, il faut aller voir le spectacle. Non, exactement. Au Divaldo à Marseille. Comment c'est une casse? C'est dramatique. Mais qu'allons-nous devenir? On a en tout cas pensé ce spectacle pour la famille. Parce que vous l'avez donc vu, il y a des références pour les adultes. Tout à fait, y compris musicales d'ailleurs. Oui. Oui, attends, Betty ne quitte pas. Hein. Oh, ton camion. On aime bien justement partager des choses, vivre des choses très différentes. Mmh. Et c'est comme ça qu'un spectacle peut se faire à deux finalement, grâce à des expériences diverses. Valentine. Plein de couleurs, des chansons, c'était agréable. Le camion du bonhomme que j'avais hier. C'est exactement le même, mais un plus petit. C'est bien monté, c'est bien fixé, c'est attractif pour les enfants.